voyage dans la mémoire du Jbel et son patrimoine. Le voyage dans le Jbel au sud-est tunisien est un voyage dans l'histoire de la chaîne de montagnes de Matmata et du Dahar et des parcours du Dahar et les plaines de la Jfara et de l'Ouara qui les entourent. Dès qu'on se confond dans le chemin montagneux, sinueux et escarpé de Matmata, Toujène, Bnikhtesh, Khomres, Ntataouine et Dweret, on se sent envahi par le secret enfoui par la nature dans ce Jbel et l'empreinte des hommes qui ont laissé la sueur de leur savoir-faire dans ces architectures faites de terre et de pierre que sont les Gsour, Qala'a et Troglodytes anciens. Ceux-ci s'apparentent beaucoup plus à des sculptures qu'à des bâtis. Une simple lecture des inscriptions et tatouages faits au moulage d'argile et accolés sur les arcades dans les entrées de Gsour, Ouiliri et Ghiren nous dévoile une partie de leur histoire, manière de nous souhaiter la bienvenue et de nous révéler l'identité des bâtisseurs et des lieux. Les Gsour sont des silos tours de 2 à 4 étages constitués de gorfa renfermant derrière leurs portes en bois de palmier pivotant autour d'un tronc d'olivier, des céréales, orge, blé et mil et des grandes jarres remplies d'huile d'olive et autres paniers en alpha remplis d'olives et de figues. En visitant les Gsour au niveau des rez-de-chaussée, on trouve des gorfa qui étaient occupés jadis par des artisans, forgerons, menuisiers et tisserands. On y trouve aussi des gorfa aménagés en espaces de prière et parfois des wiliris traditionnels. Ces dernières sont souvent creusées dans les flancs des montagnes, juste en dessous du Ghassr. Généralement, on trouve dans la cour centrale du Ghassr une pièce en voûte qui tient lieu de siège de gestion des affaires de la tribu par le cheikh le plus qualifié et vénéré. Ce cheikh préside le conseil sénatorial tribal, Miad, avec d'autres membres de la tribu qui siègent occasionnellement pour la gestion des affaires en cours, la mise en place du calendrier des activités agricoles saisonnières, ainsi que le règlement des litiges internes ou intertribaux. De loin, le Ghassr surplombant la montagne nous paraît comme un phare en plein mer indiquant l'identité et la délimitation du territoire tribal. Le voyage dans le Jbel est une découverte permanente de la multitude des paysages uniques qui se renouvellent à chaque visite. D'une source d'eau peuplée de palmiers vers une autre peuplée de caroubiers, vers des geysers habitats favoris des oliviers et amandiers, vers un paysage fleuri parcouru par des troupeaux de chèvres et brebis, vers un paysage rocheux et aride, vers un paysage parfumé de romarin, d'armoise et de thym, vers un paysage rouge argile ponctué de roches sculptées par la nature dans les roches graisseuses et carbonatées de l'air secondaire. D'ici de là, on peut croiser un aigle de montagne, une outarde de Oubara, un chacal, un porc épique, un gondi ou un hérisson de passage. C'est un voyage initiatique fortement imbibé de magie et de grâce, sur les traces des sociétés autochtones qui ont su vivre durant des siècles en symbiose avec la nature, subvenant à leurs besoins sans altérer les écosystèmes environnants. Le Jbel est aussi une mémoire géologique d'une valeur inestimable pour les scientifiques. Les formations sédimentaires de la Jfara et le plateau du Dahar constituent une véritable fenêtre sur l'histoire géologique de la plateforme saharienne. Elles montrent un enregistrement paléogéographique couvrant l'ère secondaire et le sommet du paléozoïque supérieur. Témoin précieux de l'ouverture de l'océan titisien qui a séparé aux environs de Jbel Tbaga la Pangée en deux supercontinents, l'Eurasie au nord et le Gondwana au sud. Ces formations représentent un fonds d'archives incontournable pour la reconstitution de l'histoire de la Terre. Le grand nombre des sites paléontologiques et la richesse de leurs fossiles dinosauriens, conifères, fougères et invertébrés d'origine marine sont les témoins précieux de la biodiversité et de l'évolution de la biosphère sur la marge sud-titisienne sur environnement 180 millions d'années, de 150 à 70 millions d'années du Permien supérieur jusqu'à la fin des Mésozoïques. Le Jbel, une page d'histoire qu'on peut revisiter plusieurs fois
Et à chaque fois, on se rend compte qu'on a oublié de porter attention à un détail ou à un autre, sous un ciel bleu azur qui nous rappelle que la Méditerranée n'est qu'à 50 bornes de là, le golfe de Bougrara. Là aussi, Kamel. Le CD-ROM Panorama d'Ixour dans le sud-est tunisien est un condensé d'informations savantes et d'escales touristiques pour mieux découvrir le patrimoine xourien du sud-est tunisien. Panorama d'Ixour ouvrira aux visiteurs les portes de cette région et ses trésors historiques, écologiques et esthétiques. L'inventaire qui a été réalisé après une étude de recherche sur le terrain durant 90 jours pendant le printemps 2003 offrira aux visiteurs un guide pratique pour mieux connaître le monde de Xour et leur parcours sur carte ou par liste de noms. Près de 95 sites historiques, dont quelques-uns datant de la période néolithique, ont été répertoriés, dont 82 gassers se trouvant dans les gouvernorats de Médine et Tataoui. Ce CD-ROM dresse un état des lieux des vestiges historiques de ces contrées à l'aide d'une fiche d'enquête technique, historique et ethnographique appuyée par plus de 3000 photos. Le CD-ROM est dédié aux populations et personnes que j'ai interviewées et qui m'ont servi quelquefois de guide sur des pistes montagneuses très escarpées et pénibles physiquement. Ce CD-ROM est une invitation au voyage pour mieux découvrir le Jbel et ses parcours et plaines environnantes dans le sud-est tunisien. Le temps d'une escale ou d'un simple contact avec les habitants de ces contrées vous dira beaucoup mieux que moi sur la formidable générosité des hommes et des lieux. رحلة إلى الكسور الجبلية. لقد رجعت إلى الجبل هنا بمناطق الجنوب بمناظرها الخلابة التي يخيل لزائرها أنها من كوكب آخر غير الأرض التي عاهدناها سهلة لا تتمنع لراجلها. إن بهاته الحجارة الكبيرة أكواما من الأسرار الجمالية وغنى التاريخ والبشر الذي شحذته الطبيعة الجبلية لتضاريس مرعاه لينحت فيها معاصر الزيتون وكهوفا وغيرانا لسكناه ويعلق فوق سنام جبالها قصوره لخزن الحبوب والتين والتمر والزيت بغرفه والكمبوت والرونية مبثوثة في ساحاته بعد أيام الحصاد أو جني الزيتون والثمار. إن بهاته الجبال بيوتا للناس والخيل والإبل والأنعام والحب والزيت والماء وكل ما هب ودب من الصقور إلى الجندي وابن آوى والثعبان إلى النحل والعتر والإلهام. للكل بيت وحتى للزيتونة بيت فبيتها الجسر وبيت البعير ظلال النخيل. إنها مجتمعات البداوة التي شهدتها هذه الربوع سالفا والتي بين حلها وترحالها وسلمها وحربها تنزع إلى الجبل نزوعا خطيرا إلى أمه. إنها ابن خداش وتجان ومطماطة والدويرات وغمرات وتمزايط والبرزالية. إنها الزهرة والغرغار والدغاغرة وأولاد سلطان وتشوت والكريكرية. إنها أسماء كالنجوم لا تتصل ببعضها إلا من خلال ظلال جبالها المترامية ومن على قممها المكللة بفسيفساء من النباتات العطرية والطبية من الإكليل إلى الزعتر والشيح والكبار. تتخللها أزهار الجندول وألوان لا تقدر من الأزهار البرية. يأخذنا منظر البحر بخليج بغرارة بأطيافه الزرقاء تحت سماء تحاكيه ألوانها. إنه الجبل الشرفة التي يجب أن يقف عليها كل زائر لدار الجنوب بتونسنا الفيحاء.